ça va ? Ça va bien. Bien ce Hellfest, tu es arrivé quand ? Hier. Hier, comme tous les ans, le jeudi soir, c'est notre barbecue annuel avec toute l'équipe de Rockham. D'accord. Bah, les Cévennes, j'y passe souvent quand je reviens d'Aveyron. Tu veux une petite bière ? Donc ça, c'est Monsieur Corne, Cornemèche, je sais pas si tu connais un stand là-bas où il fait des cornes de folie. Enchanté. Est-ce que tu veux une bière, du coup ? Oh bah tu en bats les. Ah bah je sais. Allez. Je veux bien que tu m'en mettes un peu plus. Tu te rallonges ? Ça filme. Merci beaucoup. Donc toi du coup tu es ici pour quoi ? Pour le boulot, pour le plaisir ? Les deux, je viens depuis des années. J'ai même joué avec mon groupe au premier Hellfest en 2005. Et alors j'ai dû en rater deux ou trois je crois. Et puis depuis des années j'y viens aussi pour les magazines dans lesquels j'écris. Donc il y a eu Ardenevi d'abord, maintenant il y a Rockard. Maintenant ça fait 6 ans que j'écris dans Rockard. Et donc voilà, on essaye de couvrir, on est une petite équipe, on est un peu moins de 10 et on essaye de couvrir un maximum des concerts de 3 jours pour sortir un numéro hors série. Un spécial Hellfest avec des chroniques de tous les concerts. D'accord, et là du coup tu vas aller voir quoi alors ? Alors ce soir je vais aller voir Obituary et Marduk en priorité parce que d'une part c'est des groupes que j'adore et d'autre part, il est prévu que je vais les chroniques. Ça tombe bien, donc. Ça tombe plutôt bien, mais non, mais on choisit un peu chacun nos groupes d'après nos affinités. Et voilà, demain j'ai une journée assez chargée, dimanche aussi. Aujourd'hui c'était un peu plus cool pour moi. J'ai eu de la chance, j'avais pas énormément de groupes à chroniquer, du coup je me suis beaucoup baladé. Et puis, tout ça. Puis le Hellfest, c'est ça aussi. C'est tous les ans retrouver des gens que tu vois qu'une fois par an. C'est ça. Premier résultat de la fichette, Obituary qui passe, il faut que je lui installe un potard de tonalité. Ah bah, tu as bien vu Monsieur Obituary. Ah oui, c'était très fort, je l'ai vu. Voilà. C'est très fort. Il a l'œil de... L'œil de lynx. L'œil de taupe. De la rinx. L'œil de la rinx. L'œil de la rinx. Est-ce qu'on a de l'eau ici, ça existe ? Est-ce que l'eau, ça existe ? L'eau existe, je te le confirme. Mais à Clisson. À Clisson ? Tu as une baguette de sourcier ? Il y a un stand, je pense. Je vais avoir un petit travail pour toi. Oui. Voilà, je vais te sortir un petit CD à signer. Voilà, je dois faire 20 ans, je te cours après pour le signer. Là, c'est une bonne excuse. Ce sera avec plaisir. Du coup, au niveau musique, qu'est-ce que tu as comme projet en ce moment ? Est-ce qu'il y a des trucs qui... Alors, comme projet en ce moment, le projet le plus immédiat, c'est la sortie au mois d'octobre, a priori, ou novembre, du premier album de Fry Tot. D'accord. Qui est un projet de death metal old school. Sony hyper suédois à la Vioentund. Donc avec le batteur d'Acme. Ok, d'accord. Et avec un des guitaristes de United qui est aussi guitariste de Cardinal Incode. Et donc le dernier, celui qui remplace Egal. Oui, Fat, voilà. Ah, ok, ouais, parfait. Donc l'album sort en octobre ou en novembre. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. C'est des gens qui veulent boire. C'est toujours des gens qui veulent boire. D'accord. Et donc voilà, ça c'est le premier truc. On fera sûrement de la scène l'an prochain avec ce projet-là. En attendant, on a déjà laissé l'album le temps de vivre sa vie, le disque. Et puis sinon, l'an prochain, la fameuse sortie du DVD de Carnival In Call, du DVD live, qui est annoncé depuis 3 ans, et qui donc sortira l'an prochain en préambule d'une tournée d'adieu. Une vraie tournée d'adieu. Une vraie tournée d'adieu de Carnival. Une vraie tournée d'adieu de Carnival. Aïe aïe aïe. Finito. Ah ouais, bah toujours. Et ce qui ne veut pas dire qu'on ne fera plus rien avec les mêmes personnes. D'accord, oui, d'ailleurs. C'est même déjà en prévision. Il y a déjà des discussions. Mais par contre, on va changer de style, changer de nom. Et voilà. Ça c'est bien. Comme on n'écrit pas de nouvelle musique avec Carnival, il est hors de question de tourner encore des années avec les quatre mêmes disques et bah ouais, c'est ça, les mêmes morceaux. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, ceci dit, certains groupes ne gênent pas. On ne citera personne. Non, mais bon, voilà quoi. Mais oui, non, c'est que après Carnival, oui, ça gênera personne, sauf ceux qui ont raté. Il y aura une dernière occasion, une tournée d'adieu. Ouais. Et en plus, on va vraiment essayer de passer partout. En fait. Ça, c'est bien, voilà, ça c'est important. Parce donc, je pense que ça va s'étaler sur toute l'année, je crois. J'ai passé sur Aix, je crois que je jouais le même jour. Donc voilà, impossible de venir. Tu auras l'occasion de te rattraper. C'est ça. Et voilà, donc il y a ça. Et sinon,
Dans les projets aussi, il y a l'écriture d'un album de funk avec deux des membres de 6h33. D'accord, voilà. Donc là, oui, là, c'est... Et de la funk pure et dure, à la Earth, Wind & Fire. Ok, on est loin du Death Metal Old School. Oui, voilà, rien à voir. Ah, c'est excellent, ça. Donc maintenant, tu écris dans Rockard Depuis 6 ans, ouais. Voilà, ça fait un moment, quoi. Donc ton boulot c'est quoi? C'est couvrir les. C'est chroniquer les lives, chroniquer les disques, Je fais pas énormément de live parce que j'ai pas la chance d'habiter dans une région où il y a beaucoup de groupes qui passent, donc de temps en temps je fais des reports de concerts, de choses qui passent à Montpellier ou à Nîmes. Ouais. Mais bon, c'est vrai que mes collègues parisiens sont quand même beaucoup plus vernis que moi du live. Après, je fais des interviews, je fais des chroniques de disques. Puis j'ai ma page, j'ai ma rubrique personnelle, rien qu'à moi, où je parle des groupes underground, quoi, principalement, et même des groupes étrangers. Donc, du coup, tu sors quelques perles et tu mets quelques gars qui sont pas forcément connus devant. Des démos, des autoproductions, etc. Et ça arrive encore, ça, de recevoir des petits machins, une galette au fond de ton enveloppe. Et tu te dis merde, ça marche. Ça arrive tous les jours. Ah, c'est bien ça. Ah, ouais. Donc ça sert encore quelque chose aujourd'hui. Parce que moi j'ai connu l'époque où tu faisais ta cassette avec ton micro pour donner la pièce et tu l'envoyais où tu pouvais. Aujourd'hui, c'est encore possible de faire. Là maintenant, forcément, le niveau n'est plus le même. Florent le vide. Bonjour messieurs. Ça va? Ça va carrément, la forme? Qu'est-ce qu'on disait? Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, le son est quand même globalement toujours à peu près correct parce qu'avec un ordinateur. Et une bonne carte son, t'arrives quand même à faire des trucs. Oui, mais non, t'as 4 plugins, t'as. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on assiste énormément à l'émergence de One Man Band ou de duo ou de choses comme ça, quoi. Bah, d'ailleurs, des gens qui font tout à deux. Tu connais Igor? Je connais bien Igor. Hein. Voilà, quand je te disais que t'avais du boulot. Oui, je connais bien Igor, oui. Bah, je l'ai interviewé pour son nouvel album. Là. D'accord, parce que ça par exemple, voilà, c'est un truc de malade et c'est encore c'est un One Man Band qui va jouer sur scène. C'est plus un one man band. Ah ouais, mais non, c'est 4. Vraiment... Ah, il compose à 4 ou est-ce que. C'est lui qui compose tout, mais voilà, ouais. Il y a le batteur de Trépalium. D'accord, ouais, Il y a une formation qui le suit, mais c'est quand même lui encore qui fait tout de A à Z. Ah oui, c'est lui qui compose tout. Ouais, c'est fou ça. Ça reste son projet à lui, mais maintenant il y a des musiciens, quoi. Parce qu'avant, c'était vraiment du one man band. Ah, il se présentait sur scène seul Non, avant, il faisait pas de scène. Ah oui, carrément. Ouais. D'accord. Alors choisis ton arme. Ouais, c'est parfait. Et voilà. La plus grosse dédicace du monde. Voilà. Donc ça c'est l'avant. Au-dessus de 20, de 30 minutes, ouais. Ils doivent payer une licence caméscope. D'accord. Donc du coup, on va faire un peu moins cher, mais il faut payer un petit peu avant. Ah putain, c'est marrant ça. Ouais, là je l'ai appris aujourd'hui. Je savais pas. Bah là, tu vois, on a deux appareils qui sont pas dégueux, et tu coupes tout le temps, c'est quand même. C'est pour ça que les vidéos de coupe sur YouPorn se coupent toujours au bout de. Bon, bah écoute, du coup, moi, ça me fait super plaisir de t'avoir reçu. Moi, ça me fait super plaisir aussi, et puis. J'espère que. Je suis super content qu'apparemment tu aies le vent en poupe et que tout le monde. Je n'entends que du bien d'SP, donc. Bah écoute, ça fait très plaisir. On essaie de se battre, c'est pas évident, là, ça va faire bientôt 10 ans. 10 ans que la marque existe, ça a démarré sur 3 merdeux, puis. Deux coups de cul, quoi, voilà, tu as ces bubu avec le premier qui a pris le coup, qui a fait putain, c'est bon, ça marche. Sidi Larsen, Benjamin Larty qui était le deuxième, Snake de Blamo Bay qui a testé un micro, et puis Adam de Propane, et là, je suis là. Si eux ça marche, c'est que ça marche. Donc, voilà, c'est con, mais voilà, tu. Ouais, c'est génial. Et c'est génial. Ah ouais. Bah, parce qu'en plus, il y a des finitions spéciales, je bosse avec des gars, donc tu vois, ici, il y a David Ken, il y a San Lorenzo, il y a 10-15. Avec SBGO, on a fait des micros actifs. Donc c'est-à-dire qu'on fait des micros actifs compatibles Quick Connect, ouais. Tu rentres directement sur le musée, et qui sont 100% sur mesure. Donc à ma connaissance, aujourd'hui, on est les premiers au monde à faire du micro actif sur mesure. Du micro actif débrayable, donc tu passes d'actif au passif sur la gratte. Et ça, c'est parce que voilà, parce qu'on est tout un collectif là aussi à bosser ensemble et pas à se tirer dans les pattes. Et, bah, tiens, non, c'est énorme. C'est génial. Enfin, voilà, on a tous la même passion, on est ensemble, on trace des artistes qui sont super sympas, qui nous aident vraiment. Bah voilà, c'est bien. Donc c'est un peu vie ma vie de rêve, tu vois, et c'est tout. Je suis content pour toi aussi. Ouais, ça fait plaisir. Bah du coup, on va couper maintenant. Au revoir. À vous les studios, c'est ça qu'on disait. À vous les studios. C'est ce qu'on disait de notre temps, ça. Oui, à vous Cognac J.